pour creuser. Faudrait que j'aille chercher du bois dur aussi. Et que je surveille ma fortitude. Ma fortitude. Ali, il faut qu'on parle. Ah, un disque de données. Non, je sais pas ce que c'est. Ah. J'avoue, Thomas, ce serait assez bizarre. J'avoue. Imagine. Oh putain. Tout ça pour un disque. Tout ça pour un pauvre CD, quoi. L'attente que d'être découverte, c'est le but ultime du centre de recherche et des villes comme Vega 5. Et nous serons à nouveau frappés par la misère. Ok. Bah vas-y, bah tu vas pas me raconter ta vie. Tu prends, tu détruis. Ok, très bien. On ira la donner à l'église. Ah, que tu nous apportes plus de disques. Je devrais demander à ta voisine comment planter une culture. Bien, super. Ok, très bien. Bah, j'irai voir ma voisine. Ouais, niveau 3. Je suis où là? Hop là. Allez, on y retourne. Allez, maintenant j'ai compris comment. Maintenant que j'ai compris comment on creusait et comment on trouvait des reliques. Enfin, je crois que j'ai compris. Pas sûr pour les reliques, mais... Et est-ce qu'il y a toujours les trous que j'ai fait ou pas? Eh ben non. Ah bah si. Et si je fais F? Ok, j'ai compris. Maquette de monument, très bien. Très bien. Et ensuite, où est-ce qu'il y a d'autres reliques? Comment elles sortent là? Il n'y en a pas. Bon, bah, allez, on va continuer à creuser, hein. Plus on creuse profond, plus on trouve des choses ou pas? Ah, il y en a là, regarde. Allez, on va essayer de creuser là. Allez, attrape-le ce truc là. Oula. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas mal. Hop, sortez mode là. Du coup, je vois pas d'autres. Du coup, on va creuser tranquillement. On a de l'étain. Il nous faut du cuivre. Et on peut aller jusqu'où comme ça?
Et moi, je creuse jusqu'à la mort. Je me retrouve au centre de la Terre. Et même pas ça s'écroule. Ah, je creuse pas dans les zones de cuivre, parce qu'il y a des zones de cuivre. Et comment tu les vois, toi, les zones de cuivre? Ah, c'est les zones un peu jaunes, là, peut-être. Peut-être. C'est ça. Merci. Oh, mais en fait, ça fait rien. Je vais m'endormir et je vais partir dans mon lit, non? Ça fait rien si ma fortitude arrive à zéro, non? Pas, je connais pas le jeu, je découvre avec toi. D'accord. Écoute, t'en verras bien. Si tu fais game over, genre. Allez. Fortitude insuffisante. Ok, bon, mais il faut que je sorte. Allez, on est obligé d'aller dormir. Ah, donc il faut d'abord que j'aille, comment dire, chercher des pommes et tout ça, quoi. Bon, on va aller dormir. Du coup, j'en suis où, là, des minerais de cuivre? Je suis qu'à 20? Oh, bah la vache. Et comment on déverrouille? Oula, 400, on n'a pas tous ces sous, là, nous, ouais. Ah, pas ou quoi? Bon, on verra demain, on ira faire le plein de... On ira... Faut qu'on aille voir la voisine aussi, un de ces quatre. J'ai des points qui clignotent de partout. Vas-y, on répare les trous, là, j'en ai marre. Un coup à choper des écharpes. Et ça, ça se répare pas, non? C'est pas cassé, très bien. Ah, 20 morceaux, ouais, hein? Allons dormir, plutôt. Dormir! Bon, c'est quand même mignon comme tout, hein. Alors. Donc, on va aller chercher... le pommier, je sais pas quoi là. On va ramasser des pierres aussi. Non, on va pas ramasser des pierres parce qu'on en a pas besoin. Et que il faut que tu vas aller dans. Bah oui, mais comme je sais pas quoi vendre pour l'instant, je garde tout. Récolter, ça se mange, je sais pas. Donc ils ont dit plus l'arbre il est gros, mieux c'est. Pas comme ça que ça marche. Voilà. Ah, il me faut une meilleure hache. Est-ce que ça, ça suffit pour avoir du bois dur? Niveau 3. Non, c'est du bois normal. Donc il va falloir que j'aille fabriquer... il faut que j'aille fabriquer une meilleure... Ah mais non, ça marche quand même. Non, ça marche que dalle. Il faut que je trouve un arbre fruitier. Il y en avait par là-bas. Et que je ramasse des pommes. Ou que j'aille directement dans la caverne et que je vienne. Ouais, c'est ça. Je garde tout et après j'étudie le truc pour voir s'il faut que je les vende ou pas. Parce que ça, c'est le coup à vendre des choses dont t'as besoin, en fait. Allez, on va retourner chercher du cuivre. Faudra qu'on aille rendre des quêtes aussi.
Ah, puis il faut deux têtes de pont, mais il va falloir 12 milliards de cuivre, quoi. Allez, Mais 12 milliards de cuivre, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh, les mecs, vous êtes chez moi, là? Ils sont pas chez moi? Ouh là là. Bon, il est où le coin à cuivre? Il est là. Ouais, bah c'est ça, c'est je suis comme toi. Bah, c'est pas du cuivre ça, tu fous de ma gueule? Allez. J'ai pas regardé s'il y avait des reliques par là. Non, il y en a pas, c'est pas grave. Je peux encore bien suivre l'utilité des reliques d'ailleurs. Plus je tape, plus ça devient plus ça devient de l'étain, quoi. Et puis du cuivre. Oh, 22 cuivres d'un coup. Magnifique. Du coup, j'en ai combien, là? 53. Wouhou. Allez. Je fais voyage au centre de la Terre, quoi. De trouver du cuivre. Après, il va me falloir de l'étain aussi, mais j'ai l'impression qu'il va me falloir surtout du cuivre. Est-ce qu'il y a des reliques par là? On a été bien profond là quand même. Ah, il y en a une là! Allez, est-ce qu'on va pouvoir la creuser avant que on soit en fatigue totale? Plus qu'à 6 mètres. Voilà. Il me semble que j'en ai vu une autre aussi. Mais je pense que celle-là, on l'aura pas. Il y a peut-être une plus près là. J'essaie de trouver si j'ai pas déjà creusé un truc qui pourrait me rapprocher. On va manquer de fortitude avant d'arriver. Bah ça c'est con. Il paraît qu'elle est au-dessus de ma tête. Bah oui. C'est ballot. Bon bah de toute façon on est mort. On va se reprendre un petit peu d'étain. Non c'est pas ça. Non non non. Carte. Retourner à l'entrée. Bon, ça dure pas longtemps quand même, hein, la fortitude, là. Mais bon, du coup, là, je pense qu'on a assez de cuivre pour aller fabriquer déjà une première partie de schmuche-truc, là. Et merci, Corentin. Comment ça va? Tu te remets un petit peu de ton réveillon? Allez. On va aller dormir un petit peu. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense qu'au début, t'es un peu en galère. Et qu'après... Non, mais franchement, je regrette pas du tout mon achat. Ce jeu est magnifique. Vraiment, tout est trop mignon. Je suis... Il n'y a pas de soucis, Stéphie. Vas-y.
Bonne soirée, merci d'avoir été là avec moi du petit matin jusqu'au soir. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, j'ai réfléchi là à cette histoire de live un peu sur 12h ou 24h. En fait, il s'avère que fin février, c'est l'anniversaire de la chaîne. C'est-à-dire que j'ai commencé... Et merci, Alex. J'ai commencé à faire des streams, je crois, le 24 février ou quelque chose comme ça. Du coup, ça va bientôt faire un an que je suis là. Et du coup, peut-être qu'on fera une petite teuf. Ah, t'es là. Ben oui, non, mais t'es... D'accord. Ben, y a pas de souci, hein. Merci d'être là, même si tu n'interagis pas. Mais j'ai l'impression que tous les matins... panneau de la maison, qu'est-ce que c'est? Je... meuble, d'accord. Ok. Je me réveille pas avec le même nombre de fortitude. J'ai l'impression. After chez Crimounette. Toujours pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller fabriquer, là? Une tête de pont. Alors, attends. Dans la fournaise, si on prend... Non, non, mais attendez. Si je mets 60 et 15, ça me fait une barre de bronze? Oh la vache, on n'est pas prêt de le construire, le pont, les gars. Écoutez, on va essayer. Le fabriquer. Une barre de bronze. Oh non, ça va. Putain, j'ai tellement peur. Ah, il faut du bois pour fabriquer le bronze. Comment te dire? Tiens, on va voir si on peut fabriquer. On dirait si, est-ce qu'on va voir si on peut fabriquer une hache en bronze. Bah, il faut du bronze. Allez, on va aller couper des arbres. Pour alimenter la fournaise ou je sais pas. Enfin, d'un autre côté, j'en ai des arbres là. Pourquoi tu veux pas... Comment ça se passe? Mettre du carburant. Bah, vas-y. Hein. Ok. Je connais pas The Forest, alors. Barre de bronze. Il m'en faut 15, hein, j'ai envie de te dire. Non, Alex! 999. Moi, j'ai pas dit oui. Bah, fais le max, hein. Il en faut 15. Il faut un jour et 11 heures et dans 20 heures, il n'y a plus de carburant. Putain, bon, on n'est pas dans la merde. Ok, et donc qu'est-ce qu'il faut fabriquer d'autre à part les barres de machin là? Voilà, la fournaise est déjà occupée. Du bois dur. Est-ce que je peux lui demander de me fabriquer plusieurs choses en même temps? Je dois pouvoir. Parce que là, j'ai besoin de barres de cuivre, on est d'accord, j'ai pas rêvé. Ah non, je peux pas fabriquer plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que t'as, toi, encore? Non, bah, je peux pas fabriquer. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'occuper des quêtes qu'on a à rendre, en attendant. Aller au centre de recherche. Allez, on y va. Non, non, non. Oh, c'est rien, c'est Alex qui m'a fait une proposition totalement indécente tout à l'heure. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas compris ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es le nouveau constructeur. Je m'appelle Kiwa, j'adore pêcher, mais un gros poisson. Ouais. Alex, il se lâche. Ouais, je vais te fabriquer une canne à pêche, oui, bien sûr. Si tu tires sur mon fil, Chacha, ça va mal se passer.
Ah ouais, tu veux venir. Allez, viens. Bonjour les gens. Un petit câlin. Tu dis bonjour. Tu es presque aussi belle que le chat dans le jeu. Sauf que t'es pas rose. Bon bye, je vais faire ma douche, dormir, car demain je prends le train. Pas de soucis, Rosabella. Bonne nuit. Et à bientôt. Ok. Sinon, le centre de recherche, tout ça, c'est où? C'est au bout là-bas. Donc on va aller prendre la quête ici. Et puis après, on va aller au centre de recherche. Très bien. Oui, c'est ma petite mune. C'est ma minette. J'ai passé la quête, moi. Bah, tous les coups, elle est sur le pont, bien sûr. Comment on monte? On est où, l'escalier? Ouh, l'escalier. Il est là. Sinon, je me balade en courant dans une ville avec ma hache à la main et ça gêne personne. Très bien. Ça fait pas du tout psychopathe. Les habitants de la ville pour te faire connaître. J'ai fait une liste des propriétaires de magasins dans l'enceinte de la ville. Très bien, on ira se présenter. Oh la vache, tout ça. Bon ben, bonjour. On se la crime par avec un escalier. Ah ça va hein. Si tu as besoin de décoration virile. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec la virilité dans ce jeu? Et puis comme je suis si viril, je vais t'offrir ceci. Très bien. M'offrir un meuble, c'est ça? Très bien. Marc, s'il m'offre tous un truc, ça me va, hein. Ah, c'est un loisir, un plaisir d'outils ou d'armes. D'accord. Non, c'est pas Fortnite, les gens. De toute façon, je l'ai pas installé sur le PC. Qu'est-ce qu'il m'a offert? D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'elle veut, Carole? Et ici, mais non, je vais pas te mettre un... J'espère que tu passeras de bons moments dans ce magasin. Je vends des vêtements et des costumes. Ah, c'est cool. Non, on va pas perdre du temps à installer le jeu. Il est presque 23h. Un petit quelque chose, mais dis rien à mon mari. Ah, j'ai plus de place. Je crois que ça, là, je peux le donner à l'église. De grandes quantités. Ah bah, je vais au centre de recherche. Ça tombe bien. Je sais plus où il est, par contre. Ah bah, il est juste là. Très bien. Très, très bien. Alors, on va leur donner déjà. Ici, on vient ici. Petra pas. Qu'est-ce qu'on a là? Un disque de données. Oui. Fortnite ou pilou-pilou? Limite, je serais plus sur le pilou-pilou, tu vois. Oh, si, un mec. Toi, t'as jamais vu Thor torse nu, hein? Si, quand même. Tu sais ce que c'est, non? Oui, je sais ce que c'est. C'est ce qui a tué le monde, fait l'anarchie. Ça s'appelle un CD-ROM. J'ai choisi entre Fortnite et Pilou-Pilou. Mais les mecs, le Pilou-Pilou, vous avez pas idée comment c'est vilain, quoi. Enfin, clairement. Ah, je le trouve... Non, je fantasme pas, mais je le trouve très sexy. Oui, et très beau gosse, quand même. On ne fait pas de miracle, on t'attend pas à recevoir des instructions détaillées. Alex, c'est tort. Oui, j'ai trouvé des disques de données. Ah non, Chacha, ça suffit, hein.
Ouais, level up. Et tu veux pas mes disques de données? Elle a un fantasme sur toi. Rechercher. Lui donner les 5 disques, tiens. Tu n'as pas suffisamment, quoi? T'en veux 5, ça suffit pas. Boulette. Merlin. Mais si je sais où je suis. Alors. Mune, tu vas encore débrancher le live. Tu vois, il y a Thor qui est tout en haut, les gens normaux, et moi qui est tout en bas. Non, mais les mecs comme Thor, en vrai, ça n'existe pas, son câble. Non, tu vas débrancher mon câble. Arrête de te frotter contre le PC, s'il te plaît, le chat. Arrête. Tu vas débrancher le live. Bon, vous savez quoi? Je vous mets en pause 2 secondes, je vais sortir le chat, parce que visiblement, sinon, on va perdre le live dans quelques minutes. Bougez pas. Si tu tires mon film, ça va mal se passer, je te le dis. Allez. Je reviens dans 10 secondes, juste le temps de sortir le chat. Oh. Oui, je vais te sortir, Mune, ne tire pas sur ce fil. Laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît. Si ça coupe, je reviens. Hein. Hop, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai loupé? Non, bah, elle veut pas sortir, cette couillonne. Donc, tant pis. Je l'ai mis dans la cuisine à côté de sa gamelle. Ça devrait la calmer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faut 10... Oui, mais j'ai mis le temps que je remette la cam. 3 minutes, Alex. Ah ouais, donc je peux avoir tout ça. Mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez de disques, ok. Et ça c'est quoi? Pourquoi il me dit d'y aller? Récupérer. Il faut récupérer tous les morceaux, ok. Ouais, bon bah c'est pas gagné, hein. Bon, allez. De toute façon, on va pas rester très 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 tard ce soir, je vous cache pas. Hein. J'ai aussi un peu de fatigue du réveillon. Faut que je vende des choses quand même. Alors, on va essayer de trouver à quoi ça sert. Ça, peut-être j'en aurais besoin quand même. Et ça, je peux pas. Non, bah non. Je sais pas ce que je peux vendre ou pas, c'est quand même dommage. Parce que j'imagine que tout est utile. J'ai peur de vendre des trucs qui seraient utiles, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas assez de sous pour acheter des emplacements supplémentaires, quoi. Et qu'est-ce que c'est, ça? Oh, on a des points de compétences, dis donc. D'accord. Alors. Voilà, on est tout en récolté, je dirais. Ah, c'est bon, ça? J'ai combien de points? Ah, et le français est pas partout, hein. Voilà, très bien. Alors moi, mes résolutions, bah, je me les garde de côté et je vais vous poster ça un peu. Parce que j'ai pas fini de. Je suis encore en train de réfléchir. Mais oui, j'ai quelques bonnes et mauvaises résolutions à prendre pour cette année. Et je vais essayer. Enfin non, je vais pas essayer, je vais m'y tenir. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie et. Et j'ai envie que 2019 soit
soit l'année où ça change.